On s'embrasse bien, mais. Party. J'aime que mon homme me fasse ça en public. Ah bon? Devant les parents, tu peux embrasser ton homme? Bien sûr. Le monde part en couille. Moi, demain, il peut l'embrasser. Ah. Ah, il embrasse même. Les blancs te promènent dans les rues. Les gars s'embrassent. Maintenant, pourquoi nous l'avons pas fait? On est con, mais pourquoi pas fait? Point d'interrogation. Puisque c'est mon chéri, bien sûr que je peux accepter qu'il m'embrasse en public. Je suis très timide. Ça me met mal à l'aise, en fait. Absolète, quasiment. Coucou la famille, ravie d'être en votre compagnie. Ce soir, le sujet est le suivant. Pouvez-vous accepter qu'on vous embrasse en public? C'est un peu ça le sujet. Abonnez-vous sur notre page Loopy. Commentez, likez, partagez le lien afin de permettre à vos amis de liker à leur tour. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous? Bien, merci. Est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous embrasse en public? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'aime ça. J'aime que mon homme me fasse ça en public. En public? Oui. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Quand ils embrassent en public, c'est une partie de l'amour, quoi. C'est ce que moi je pense. C'est une preuve d'amour. Oui. Mais nous sommes en Afrique, hein. Il faut regarder tout ça. Non. Est-ce que les gens vont bien prendre? Bon, les avis des gens ne comptent pas chez moi. Hein. Ah. Oui. Mais tu es africaine. Hein? Bien sûr, j'ai vu ma chose. Tu vis ton ami. Oui. Ton amour comme tu veux. Voilà. Le monde part en couille. Où je veux, quand ça me plaît. Hein? Oui. Devant les parents, tu peux embrasser ton homme? Bien sûr. Le monde part en couille. Hey, ça c'est grave. C'est un manque de respect. Non. D'accord. Merci et bonne journée. Merci aussi, à vous aussi. Bonjour Miss. Bonjour mademoiselle. Je vais bien, merci à vous. Bien, merci. Pouvez-vous accepter que votre homme vous embrasse en public? Bien sûr que oui, il n'y a pas de souci à cela. Ah oui, oui, non, c'est pas si... T'es joli. Pourquoi? C'est mon chéri, donc j'ai pas besoin de me cacher. Et puis si les gens ont des trucs à dire, ils le disent et puis je m'en fous. C'est pas eux qui payent mon loyer, c'est pas eux qui me nourrissent, donc on s'embrasse bien même. D'accord, mais est-ce que vous avez le courage de le faire devant les parents? Devant les parents, si on est marié, il n'y a pas de soucis. Ah, ok. Mais quand c'est chéri, go et gars, non. Ah, on peut recevoir une claque, hein. Ah, ce sont les parents. Ça c'est clair. Voilà, c'est ça. Non, mais dehors là, c'est pas parents, mais les grandes personnes, les enfants. On se connaît pas, t'as jamais dit quoi? Point d'interrogation. Tu me vois, tu passes, tu veux faire, tu fais aussi, ou bien tu prends ton chemin, tu t'en vas. Non, en gros, quand vous êtes avec votre chéri, vous, en public, vous vous en foutez de ce que les gens peuvent dire. Bien sûr. Quand on a envie de s'embrasser, on s'embrasse, on se dit au revoir. C'est rien. Merci, bonne journée à vous, madame. Merci. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Peux-tu accepter quand on t'embrasse en public? Oui, je peux. Parce que c'est mon mari, mon gars, c'est mon tout, il peut l'embrasser. Moi, demain, il peut l'embrasser. Il peut l'embrasser. Ah. Le monde part en couille. Mon parent même. Oui, moi. Non, pas mon respect parce que elle sait que déjà que son mari. Au moins, si c'est comme elle connaît pas, il l'embrasse. Ça, c'est moins de respect. Voilà. Mais en public, les gens vont pas murmurer. Oh, c'est la même chose. Ah, ils me disent ce qu'ils veulent. C'est mon mari. Il me met en public comme je veux. En public, il y a enfant, tout ça là, dit-elle. C'est pas mon problème. C'est que c'est son mari. Ah, Dieu. Tout le monde, c'est pas que c'est mon mari. Donc, ah, pour éviter quoi? Pour éviter, d'accord, c'est pas que c'est mon mari. Pour éviter quoi? Ah, il faut éviter que. Ah, il est seul. Ah, sa camarade, parce que moi et sa femme. Donc, quand tu es là, donc, ça va que tu es là. Je suis là. Comment tu embrasses même? Il embrasse même. Ah, okay. Ah, il embrasse même. D'accord, merci. Ok, ouais, bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Dites-moi, est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous embrasse en public? Oui, c'est ça, avec mon chéri, il n'y a pas de souci. Mais ça ne présente pas mal aux yeux des Africains, parce que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et puis, on voit. Les blancs, ils se promènent dans les rues, les gars s'embrassent. Maintenant, pourquoi nous, on ne peut pas faire? On est con, mais on ne peut pas faire. Point d'interrogation. En tout cas, moi, je me mets dans ma peau avec mon chéri. S'il veut m'embrasser devant le public, je le fais. C'est pas un souci pour moi. Je ne suis pas contre. Je suis pas contre. Les rumeurs, des... Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. D'accord. Même devant les parents. Bon, devant les parents, bon, un peu de respect quand même. Justement. Voilà, ce sont mes parents. Non, c'est ton chéri. Bon, c'est mon chéri, mais devant les parents, bon. Il y a les... Tu vois, c'est bizarre, c'est bien ça même. Merci beaucoup, bonjour. Ouais, à vous de même. Bonjour, madame. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, chez vous. Bien, merci. Est-ce que vous pouvez accepter que votre conjoint vous embrasse en public? Oui, je ne trouve pas d'inconvénient. Ah bon? Puisque c'est mon chéri, bien sûr que je peux accepter qu'il m'embrasse en public. Ça prouve qu'il m'aime et je suis la seule.
avec lui. Et en ce qui concerne le regard des autres dans la rue, personnellement, en tout cas, le regard des gens, moi, ça ne me dit rien. Seulement, si la façon dont mon homme me voit, c'est ce que je suis, c'est ce que je veux. Sinon, le regard des gens, moi... D'accord. Pas de problème. Merci et bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Très bien. D'accord. Est-ce que tu peux accepter qu'on t'embrasse en public? Bon, non. Non, pourquoi non? Parce que je suis quelqu'un, je suis très timide. Donc, fais ça en public, j'aime pas trop. Parce que ça pose des regards, les gens vont te regarder. Donc ça met mal à l'aise, ça met même mal à l'aise en fait. Absolète quasiment. Mais est-ce que c'est pas une manière de ne pas prouver son amour à son homme? Non, c'est pas forcément ça. C'est parce que les gens peuvent penser en faisant ça. Toi, chez toi, tu fais pas de mal, mais eux, de leur côté, ils vont mal prendre. Ils vont dire, il y a ces deux personnes, il y a ce qu'ils font, ces jeunes soirs. Oui, d'accord. Merci. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. Pouvez-vous accepter qu'on vous embrasse en public? Non. Non, pourquoi non? C'est pas joli à voir. Vous passez en public. Pas joli à voir? Non, c'est pas possible. Est-ce que tu aimes vraiment ton homme? Parce que quand on aime, on est capable de tout faire. Non. Là, tu l'aimes pas vraiment. Tu l'aimes pas trop. Juste. Là, c'est amusant, c'est le passage. C'est le passage pour l'instant. Non, amour de passage ne peut pas t'amener à l'embrasser devant tout le monde. Donc ça, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup bien, là, que tu vas l'embrasser devant tout le monde. Mariage. Le mariage. Ah, d'accord. Mais c'est comme ça que tu deviens mariage, là. Non. Toi, d'accord. Merci, bonne journée. Merci, on s'appelle. Au terme de notre émission, nous le sommes, bien évidemment. Portez-vous bien. Et à bientôt pour un prochain numéro du Micro Trottoir. N'oubliez pas de vous abonner, car c'est la base. À bientôt. Bisous.